nous voici pour la deuxième partie de cette vidéo, de la dernière mission de la chimère. Upgrade completed. Sur jeu Act of Aggression. Oh, voilà, les tics font pas mal de dégâts. Valija commence un peu à se calmer, donc c'est pas plus mal. Ouais, il m'en faut deux. J'avais un doute, mais il m'en faudra bien deux. Que celui-ci, je vais le mettre à peu près là. Il doit couvrir tout le sud. Et voilà. Là, l'argent, enfin, j'en mets un là au milieu, ça pourrait tendre au cas où, hein, s'il y en a qui saute. Faut toujours être prudent dans ce jeu-là et toujours avoir. Qu'est-ce qui a été encore détruit? Ah. Bon, pas. Alors là, bien évidemment, faut toujours continuer à construire des laboratoires synthétiques. L'aluminium, vous en gagnez pas beaucoup. Ça, je reconnais. Comment, c'est toujours une denrée qui vous manque. Comparé à l'argent, vous voyez, je suis déjà. Notamment grâce aux prisons, je suis déjà largement en surplus. Hein. Une prison équivaut à deux bâtiments administratifs. Et j'ai fait beaucoup d'exosoldats. Parce que ça marche très bien. Maintenant, vu qu'il se régénère en plus tout seul. Voilà. On reste plus qu'à détruire ce bunker là. Et après, on pourra commencer à mettre des défenses un peu partout. J'ai quand même commencé à manquer d'hommes ici. On va en envoyer de plus. Pas hésiter à envoyer plus d'hommes. Beaucoup de personnes, j'ai déjà remarqué, hésitent à construire beaucoup plus de troupes. Pourtant, ça dérange pas. Donc là, c'est bon. Voilà. Bon, là les laboratoires synthétiques se construisent en grand nombre, ça diminue certes ma trésorerie, mais. Ah, j'ai quand même bientôt 5 prisonniers. J'ai bientôt 50 prisonniers. 60 prisonniers, je veux dire. J'en ai déjà 50, bientôt 60. Une prison, de toute façon, une prison est toujours plus rentable qu'un bâtiment administratif, étant donné qu'un prisonnier rapporte 4 d'argent toutes les 2 secondes, alors qu'un bâtiment administratif. Donc, fois. Vous multipliez ça fois 10, ça fait 40 toutes les 2 secondes. Pour une place équivalente au bâtiment administratif, qui lui en produit que 20. Vous voyez, à même place. Cependant, il faut des prisonniers et protéger après ces prisons. D'ailleurs, je vais faire ici. Hop. Non, pas ça. J'ai pas de terre rare. En vrai, toutes les recherches de terre rare, je vais éviter d'en faire. Contrôle 1 et maintenant on bourre. Mais c'est donné assez de mag pendant une bonne partie de la mission là, pour arriver à ce moment-là de la partie. Maintenant il y aura plus 3 de cadeaux pour ennemis. Hop 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 hop. Maintenant il recherche. Ils sont en train de faire des recherches qui coûtent des terres bientôt. Parce que... Upgrade completed.
Alors l'hélicoptère, comme j'ai déjà expliqué, je crois que c'est dans l'épisode précédent, étant donné qu'il coûte beaucoup moins cher maintenant. Enfin, il coûte... Par seconde, il coûte plus cher et il saute tellement plus vite le tigre. C'est pour ça que j'en abuse. Par contre, il faut une économie plus solide derrière. Par exemple, il y a plein de Coaligia qui est en train de bombarder à droite. Eh mais il faut toujours des paquets de 3 ou 4, d'habitude mais il faut des paquets de 1 ou 2 moi. Ah ça c'est pour ça, ça c'est pour ça pour moi. Après c'est pas dérangeant qu'ils détruisent les tourelles. Je préfère qu'ils me détruisent les... Or les tourelles moi ils servent de rôle. Ah non, prends des tirs de Coaligia. Vu que j'ai plein d'aluminium, de toute façon j'ai le meilleur temps de faire celle-ci parce que ça serait plus efficace. Et en plus de servir à prendre des tirs de Coaligia, ils servent à autre chose. Ils servent à prendre de à éviter que l'ennemi arrive à envoyer des troupes vers mon QG. Rôle logique d'une tourelle, bien évidemment. C'est vrai que, repensant, c'est normal. Mais bon, généralement les gens, j'ai pas envie de dire s'en fichent des tourelles, mais ils laissent un peu de côté. Ce que je comprends pas, personnellement. Et surtout dans cette mission-là, d'habitude je vois les gens ultra agressifs avec plein d'unités militaires. Je veux dire, oui, c'est une technique comme une autre. Mais il faut toujours se rappeler de ceci, si jamais vous basez toute votre armée sur une armée uniquement offensive, donc uniquement sur des troupes mobiles, en cas d'échec, vous perdez tout. Enfin, moi je vois ça dans cette logique-là. Certes, d'une certaine manière, c'est bien efficace à sa manière. De l'autre côté, c'est moins efficace aussi. Faut pas l'oublier. Par contre, ça c'est fait. Donc ici, on va commencer à construire. je commence à manquer vraiment. Je commence vraiment à manquer de place. Là. Ça se ressent, je pense. Je vais faire ça là. Enfin, à moins que si j'ai pas besoin des panneaux solaires, je vais pas mentir, je vais virer. Ici, Liebe à Abrams. Donc ici, on en vire un. Unit is under attack. Base is under attack. Ouais, y a toujours des chemins, vous voyez. C'est quand même bien prévu. Vous voyez, il y a des chemins. Faut pas croire que je fais ça à l'arrache. C'est sûr que je pourrais mieux optimiser, je suis pas contraire, mais j'ai déjà cherché beaucoup de temps quand même pour bien pour trouver cette configuration là qui est déjà pas mauvaise. Il y a mieux, il y a pire. On soit d'accord. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Mais elle marche très bien cette configuration là. Ah, donc ici, on va mettre l'armurerie là. Voilà. Ici, on va pouvoir faire sur le Taïga. Les Hantu font vraiment leur travail, donc c'est vraiment agréable. L'aluminium va bien, donc j'ai un bon rythme d'aluminium, ce qui me permet de construire. Construction impossible. Et Coaligia continue à marceler. Stealth enemy unit detected. I hear you very well, sir. That one's safe but I. Unit is under attack.
Bon, parfois il y a des roquettes qui tombent comme ça, qui... Ne vous posez pas de questions, c'est des roquettes perdues en fait. Je vais faire un fob pour pouvoir construire mes héliports. Attendez, mais... Oui, je vais construire parce que je ne peux pas construire en bas. Et les Oumar peuvent faire vraiment très mal. Là par contre je peux réanimer plein de Terminator, plein d'exosoldats. Alors, les tourelles de la chimère sont parmi les tourelles, c'est la tourelle la plus puissante et la plus efficace d'après moi. Son canon anti-char, les américains c'est un missile tout. Son arme anti-char avec ses avantages et inconvénients. Le souci de la missile TOW, c'est que certaines unités de chacune des factions est capable d'intercepter les missiles. Le missile TOW est un missile, donc est intercepté, ce qui peut en soi poser parfois quelques problèmes. D'ailleurs je vais délivrer ça pour avoir un peu de terre rare et pouvoir continuer mes recherches. Ces recherches là, cette recherche là. Donc méfiez-vous-en quand même, missile TOW. Le bunker est certes, mais même moins efficace contre infanterie, parce qu'en plus la tourelle sentinelle peut intercepter les missiles. Ça par contre, ça c'est une des grandes forces de tourelle, et très efficace contre les hélicos, peut intercepter les missiles, enfin. Une des meilleures défenses qu'on a contre les hélicos. D'ailleurs, je peux même faire cette recherche là, c'est parfait. Voilà, quand je vous parlais qu'il y avait plein de tortillerie. Examen récemment vous permet de votre tour tirer de la map. Là, je pompe cette collège là. Hein? Pas compris. Malgré que ces avions soient améliorés, je les expose comme du beurre. Vous voyez, je produis plus d'aluminium que j'en dépense en consommant 3 chaînes de Terminator. C'est juste pour vous présenter quand même à quel point mon économie est puissante maintenant. J'ai mis beaucoup de temps pour en mettre en place, il est vrai. J'ai passé énormément de temps. Mais maintenant qu'elle est en place, elle va être très 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 efficace. Plus parfait ici, je peux faire. Voilà, donc beaucoup de laboratoires synthétiques, vous voyez à peu près comment j'ai fait. Et là par contre, les Terminators vont faire un travail du dieu. D'ailleurs, je pourrais faire des Metal Storm. Ça pourrait être très efficace aussi. Bref, on a fait l'amélioration là, parfait. On va aller capturer le QG de gauche bientôt. Parce qu'il y a deux bases, une à droite, une à gauche, puis vous pouvez capturer le QG. Quoique, nous, on va faire une autre mission avant. J'en ai combien là? 12.
Alors, eux vont me faire. Y'a pas de terre rare. Je vais Alors, je vais me mettre ici. Alors, à présent, au début, je me disais fallait arrocher, mais je me suis rendu compte que vu le nombre de prisonniers qu'on se fait, il n'y a pas mal de prison. Voilà, donc à droite, il y a des tourelles d'artillerie qui portaient la base de droite. Recon satellites have identified the origin of their attacks on our right flanks. Donc c'est la base la plus lourdement défendue parmi les deux. Celle de gauche est moins défendue. Il y a certes des coaliges, mais les deux en ont, donc au final ils sont aussi bien défendus l'une que l'autre. Alors, la différence, pourquoi cette base-là, j'ai détruit en premier. Parce que c'est pas vraiment cette base là qui m'intéresse de démolir, c'est plutôt ce que vous pouvez avoir accès. Ils ont deux torts exactement ici. Détruire cette base là vous donne accès maintenant, non seulement que le flanc droit est sécurisé, mais vous donne accès à la destruction des torts sur le flanc droit qui sont une vraie épine dans le pied. Sincèrement, c'est... Vous constatez que pendant tout le long de la partie, j'ai toujours défendu, mes mains sont ultra importants, ils resteront importants pour interception des... Du reste, cependant... Bah, capturer la banque, on s'en fiche de toute façon de cette banque. Vous pouvez capturer cette banque-là, mais il n'y a pas d'objectif secret. L'objectif secret, c'est pas ceux-là en tout cas. L'un est de tirer avec l'arme du cartel, donc le Thor. Votre objectif secret. Vous pouvez deviner que là je vais faire un. Là au moins vous pouvez vraiment suivre vos ennemis, c'est très pratique. Voilà. Faites-moi sauter le générateur Nova là. We have spotted a base on our left flank. Enemy attacks are coming from here. Voyez, vous pouvez les capturer si vous voulez, c'est tort. Il y en a avoir deux, non. Voilà. La base de gauche, comme vous voyez, est largement moins bien défendue. Largement moins bien défendue, excusez-moi, c'est pas trop français. L'armée est moins violente dans cette base-là que celle de droite. C'est pour ça que je préfère capturer celle de gauche que celle de droite. Une fois, c'est arbitraire comme toujours, mais voilà.
Par contre, très important, je veux capturer ce bâtiment là. Ça se discute pas. Donc à gauche, on va mettre ça là. Parce que ah oui, on va abuser. Quand même, des nouvelles technologies qu'on peut avoir. Upgrade completed. Good job, Colonel. Now it's time to seize the initiative. Unit is under attack. Sir, there's no way we can assault their main position deploying only conventional weapons. We need to gear up. Aluminium field secured. We should make sure that it stays that way. Survey teams have identified rare earth element essentials for advanced components here. Left flank is secured, sir. We must seize them first. Both bank and field are in our hands. We should be able to equip more men. They are trying to retake the aluminium field. That was to be expected. Bon, il y a tous, les Yao qui sont en même temps, mais voilà. Vous avez tous su, il y en a ceux de haut, certes, mais vous avez tous su. Voilà, la bonne réparation. Alors pour ceux, il y en a de points et vidéos qui m'ont posé la question, mais maintenant, ça est, c'est-à-dire contre les échos. Oui, il y a eu des patchs. Je peux à peu près vous présenter des stratégies au moment actuel du jeu, je peux pas prévoir des stratégies qui sortiront dans 10-15 patchs. Voilà, je joue une stratégie qui marche là. Et malgré les patchs, honnêtement, toutes les stratégies que je vous ai présentées, je les fais avant même tous les patchs et marché aussi. Donc, ça je peux pas le faire, donc ça on va faire ça. Alors, pour certaines personnes, c'est dérangeant. Vu que... Voilà, je sais pas pourquoi, mais apparemment ça dérange certaines personnes. Je m'en excuse pour vous, mais je peux pas faire mieux. Je vois pas comment je peux dire ça, je peux pas faire mieux. Je peux pas vous faire des stratégies par rapport à un nouveau patch. Si cette stratégie a marché à un moment donné, je peux pas refaire le jeu à chaque fois qu'il y a un patch qui sort, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je fais 3 QG ici, vous comprendrez plus tard pourquoi. Quoi qu'il en soit, je peux produire Mass Terminator. Mass Abrams aussi, si vous voulez. Alors ici, on va construire 2 bâtiments pour produire des spectres. On va construire un à droite et un à gauche. Oh, festigo. Alors là, vu qu'on est le cartel, j'ai pas même souci niveau organisation de place pour les bâtiments. Hein. Vu que leurs bâtiments se construisent grâce à des hélicos. Est-ce que ces prisons sont remplies? Non, même pas. Il y a des prisonniers à la fin qui traînent partout, des blessés partout. À un moment, il y a tellement en fait de personnes à récupérer que moi j'y oublie. Ce qui est mauvais en soi, normalement il faut essayer de récupérer plus de personnes, etc. Parce que ça vous rapporte toujours plus de revenus, etc. À un moment où qu'on avait tellement fait de... Enfin, après ça pourrait pas faire des choses. À un moment où tellement vous êtes prison et d'argent, vous voyez, mon économie est tellement forte. C'est bête, j'admets, c'est une erreur de ma part de pas vouloir récupérer plus de prisonniers.
Parce que c'est à dire je prends encore une économie encore plus forte. C'est vrai d'une certaine manière. Les gens ils ont pas tort, mais vous avez à ce moment de la partie, j'en ai plus besoin d'une économie forte. C'est... Ah, la partie est finie, c'est. Donc toute amélioration reviendra une autre fois pour eux hein, quand on jouera ben, la campagne du cortège en soi. Maintenant on a accès au marché souterrain, donc pour produire des terres rares à l'infini. Par contre juste dans le doute au centre de contrôle aérien. Ah. Mike fait ma base. D'habitude je peux en mettre 4. Construction impossible. Base is under attack. Stealth enemy unit detected. Comment ils sont passés? Mais plutôt je devrais dire comment ils sont passés sans que je me rende compte. Enfin, là-bas, c'est bon, j'ai. Non, je vais te refaire un nouveau, je sais ce que je vais faire. Ouais, ils viennent de me démolir ma base. Vous à moi, ils viennent de me démolir. Pas à 100%, mais. Là, vous avez peut-être vu sur un minimap. Moi, je l'ai pas vu. Je regardais pas un minimap à ce moment-là. Je me suis fait avoir bah, comme un bleu. Comme un débutant. Que ça aurait pu me coûter largement plus cher que ça. Donc, on va faire plein de specs. On va bourrer là. Ah oui, attention, le spectre, il faut demander l'ordre d'attaquer. D'activer son feu à volonté. On soit d'accord. Non, je préfère le dire tout de suite parce que le spectre est quand même une. À base, une... toute unité furtive à base ne tire pas automatiquement sur les unités ennemies. Vous voyez? Donc, faut pas oublier ça. Alors, je vous conseille de mettre les Américains toujours sur cette idée d'avoir un gisement qui dure le plus longtemps possible. Et l'avantage des Américains que vous exploitez des terres rares, c'est que vous avez une amélioration qui coûte un peu d'argent, qui pour chaque point de terre rare que vous extrayez, ça vous rapporte de l'argent. Enfin, à ce moment-là, moi je m'en fiche, mais. Dans d'autres parties, ça peut être très intéressant, ça, quand même, comme amélioration. Parce que quand vous coûterez 3-4 gisements de terres rares, et que l'autre commence à me tirer. Building completed. Non, ça va aller, juste un mode Murphy. Building completed. Tiens, mais en dessous, ils ont plus de munitions, là, certains. Très mal fait de ma part, ça. Ici, vous voyez, voilà. Une amélioration très sympathique. Et celui-ci, par contre. J'ai plus de labo furtif. Construction impossible. Building complete. Par contre, ils m'ont fait mal. Ils ont reconstruit un tort, ça veut dire. Normalement, il n'y a plus de tort, mais ils en ont reconstruit un. Stealth enemy unit detected. Building completed. My way is there.
Ah, c'est bon, j'ai compris par où il passe. Il passe par la route tout au nord. Je me trompe de raccourci pour faire des specs, ça va pas aller. Maximum storage reached. Donc maintenant, ici, je vais construire une tonne. Par contre, je vais très vite prévoir ça. Unit is under attack. Par ici, je vais très vite prévoir ça. Parce que je sens que je vais bientôt me reprendre une frappe. Un mec qui va me faire regretter. Bon, faut dire qu'ils abusent en fait de l'artillerie. C'est un des défauts de cette mission. Enfin, après, ils ont raison en soi. Ils utilisent une unité ultra puissante qui marche très bien. Faut exactement comme eux à leur place. Non, non. Pas autant d'hélico. Pas autant, pas autant. Juste ce cadre, ça suffira. D'ailleurs, je vais faire un accélérateur. Accélérateur pour augmenter la production de toutes les unités aux alentours. Y compris des unités de défense. Donc, tous les bâtiments aux alentours. Donc par exemple, si vous mettez ça à côté de Thor qui fabrique des armes nucléaires, tout ça, vous les produisez plus vite. Oui, c'est de vendre le produit, j'admets. Non, c'est vraiment bien. Après, vous pouvez même mettre un champ de camouflage. Si vous en mettez deux qui superposent l'un sur l'autre, l'effet est actif l'un sur l'autre. Donc l'un se camoufle l'autre, l'autre camoufle l'un. Donc faut toujours en faire un paquet de deux. Très pratique en votre base pour éviter en fait le scouting de l'ennemi. Le plus souvent, vous êtes contre la chimère, il va vous scouter votre base, vous pourrez rien y faire parce que leur reco est furtif. C'est le ninja en fait. Enfin, leur reco dévoile les unités furtifs. Donc le plus souvent, on scoute avec ces unités là, mais c'est pas toujours le cas. Enfin, pas pour tout le monde en tout cas. Building completed. Maximum storage reached. Voilà, on améliore ça. D'ailleurs, on va se construire un patriote. Pas que j'ai pas confiance, mais je préfère être prudent sur ce coup. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement construire énormément de bâtiments autour du QG du cartel. Sans trop restriction de place en fait. Ce qui en soit très agréable. J'ai meilleur temps de faire ça comme ça. Comme ça. Maximum storage reached. Building complete. Unit is under attack. Non, le dernier, je peux mettre là. Voilà. Pas facile, mais j'ai réussi. Par contre, j'aurai un problème d'énergie bientôt. Oui, parce que c'est pas drôle sinon. Donc, on va prévoir le coup. D'accord. Générateur Nova n'est pas mauvais en soi. Mais le souci du générateur Nova par rapport aux autres générateurs, c'est qu'il explose à sa destruction. Building completed.
Alors ça on améliore. J'ai fait une petite sauvegarde. Au coup si je plante. Et on va bientôt pouvoir s'amuser.